pour la voiture de tête sur les 143 qui reste, qui était au menu de ces 1000 km. Ah, quel dommage! Un problème pour la Pescarola. Puis alors là, il est allé se mettre. Oui. Aïe, aïe, aïe! Attention! Oh, ça peut... Voiture de sécurité! Oui. Eh oui, il peut pas s'en sortir, il est en pleine trajectoire! Est-ce qu'on va finir cette épreuve avec la voiture de sécurité sortie? Alors là, qui est allé se mettre en équilibre sur... on peut penser que non quand même, hein, parce que les commissaires, dès lors qu'ils vont avoir la possibilité... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ben, on s'est retrouvé à plus que plusieurs. Ah, bah, avec Claudie numéro 2. Oui, aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce que... heureusement, je dirais que... si la voiture de sécurité sort, heureusement pour l'Audi, ils auront peut-être le temps de rentrer et de pouvoir changer l'avant de l'auto. Ouais, et puis c'est peut-être... Mathieu Laëlle, il se retrouve... lui, il est un peu coincé. En équilibre. Alors, ce qu'il faudrait quand même, c'est que les commissaires puissent traverser la piste pour aller lui donner le petit coup de main salvateur, parce qu'il suffit de pousser hein, pour que la voiture soit plus en équilibre sur son fond plat. Faut être courageux hein, pour traverser la piste à cet endroit-là. Et safety car. Safety car, safety voilà, car. C'est obligatoire. On revoit ce qui s'est passé à compagnie d'Alexandre Préma. Il a voulu de Verstappen, il n'a rien voulu céder. Et puis Alex Préma a voulu doubler les deux. On peut parler de fait de course, mais surtout on voudrait voir si l'avant de l'Audi numéro 2 n'a pas été endommagé. La voiture qui était à ce moment.